Salut, c'est Frisé. Continue à pousser dans mon jardin. On est en mi-novembre et je prouve qu'en tant que personne préparée, il est tout à fait réalisable de continuer à cultiver soi-même sa nourriture. Ici, c'est sa nourriture potagère, même hors saison. Cette fois-ci, c'est mini-tunnels. Alors, ça, c'est la version minimaliste, hein. Les maraîchers vont utiliser des grands tunnels. Mais que ce soit des grands tunnels ou des petits tunnels, c'est tout à fait possible de les réaliser vous-même. Il suffit d'une armature, d'un plastique qui peut être recourbé, et voilà, vous avez votre mini-tunnel. L'intérêt de ces tunnels, c'est comme pour le châssis. Grâce à l'effet de serre, on améliore la température, on améliore le confort thermique. On dit par l'aspect protection, ça protège également des gelées, des retombées de gelées, etc. Et ça protège nos plants de l'humidité excessive qu'on va notamment retrouver particulièrement en automne. Donc c'est le même principe, c'est les mêmes petites astuces, point de vue orientation que vous pouvez avoir avec les châssis. Je vous renvoie vers la vidéo des châssis parce que finalement c'est le même fonctionnement. Là aussi je peux utiliser des éléments, des tampons thermiques qui vont encore améliorer le confort thermique pour mes plants. Le but ici de cette très courte vidéo, c'est vous montrer un élément en plus, parce que j'en ai déjà montré quelques-uns maintenant, qui va vous permettre de continuer à cultiver vous-même vos légumes, même dans des périodes où pour la plupart des gens, c'est tout à fait impossible de le faire. La preuve, c'est tout à fait réalisable. On le voit évidemment ici avec des laitues d'hiver. Encore une fois, je choisis des plants qui sont adaptés à cette période, bien sûr. Très bonne préparation à vous. Bonne journée.